n'allez pas au café Matcha Osaya car vraiment l'accueil est déplorable. J'ai été humilié, mais vraiment humilié. Je devais voir des amis dans ce café, précisément, et on a dit le premier qui arrive réserve les places. J'ai fait ok, y a pas de souci. J'arrive, là, une personne m'accueille, me dit ça sera sur place ou à emporter. J'ai dit ça sera sur place s'il vous plaît, et des amis vont arriver. Ok, jusqu'à là vous me suivez. On me dit ok, montez en haut. Je monte en haut à l'étage, une deuxième personne m'accueille et me dit oui, vous serez combien de personnes, etc. Je dis 4 personnes, mais je dis là pour l'instant je suis tout seul et mes amis arriveront après. Elle me place à une table de 4 personnes, jusqu'à là tout va bien. Je commence à regarder la carte aussi pour savoir ce que je veux. Et là, la dame revient me voir gentiment et me dit bah, « Est-ce que vous pouvez prendre une place, une seule personne ? Car là, on est débordé, on est dimanche, il y a beaucoup de monde et on aurait besoin de la place. » Je lui fais « Bon, ok, il n'y a pas de souci, quand mes amis arriveront, par contre, il nous faudra une place. » Elle me fait « Oui, oui, vous inquiétez pas et tout, vous aurez une place. » Je me lève, je vais à la place pour une personne. Déjà, surprise, il y a personne qui va à la table, donc qu'elle me disait va y avoir du monde qui va arriver et tout, il y a personne qui vient prendre la place, donc déjà elle m'a fait bouger pour rien. Et là je regardais ma carte et même pas une minute est passée vraiment que la personne qui était en bas qui m'a demandé si c'était sur place ou à emporter remonte en haut, vient me voir et commence à me crier dessus. Elle commence à me dire « Oui, vous avez dit que vous étiez une seule personne, vous avez pas dit que vous étiez quatre. Je lui ai fait « Écoutez madame, vous m'avez juste demandé si c'était sur place ou à emporter. Vous m'avez rien demandé d'autre. Si je vous ai demandé et tout, vous m'avez dit que vous étiez une personne. » Je lui ai « Calmez-vous. » Et je lui ai répondu encore une fois « Vous m'avez juste demandé si c'était sur place ou à emporter. » Et en plus, j'ai précisé que j'étais avec des amis qui allaient arriver. Et là, j'hausse le ton, elle hausse le ton, tout le monde me regarde dans le restaurant, ok. Et là, d'un seul coup, la conversation se finit. Elle enchaîne en me disant, vous allez devoir quitter les lieux parce que vous m'avez dit que vous étiez une seule personne. Alors que depuis le début, je répète que non. Et elle me dit, vous allez devoir attendre dehors et vous pourrez revenir quand vos amis imaginaires seront là. Autant vous dire que j'ai ramassé mes affaires, je me suis levé, je l'ai regardé et je lui ai dit « Vous ne me reverrez plus jamais ». Voilà, donc j'ai pris mes affaires, je suis parti. Je n'ai jamais vu un accueil client comme ça, vraiment chaotique comme ça, pourri comme ça, j'ai jamais vu. En plus de ça, alors oui, c'est très surcoté sur les réseaux. Vous voyez, la déco est super belle. Alors oui, la déco en bas est super belle. La déco en haut n'est pas présente. Et en plus de ça, il y a de la moisissure sur le mur. Vraiment, non, là, faut vraiment éviter ce café, s'il vous plaît.